On va attaquer, on va aller avec le message de ce matin. Le titre du message de ce matin, c'est le premier message que je vais prêcher, non seulement à la première, mais à la deuxième réunion également aussi. C'est « Un royaume en expansion ». Un royaume en expansion. Ce matin, donc, je vais vous parler de l'expansion du royaume de Dieu. Dieu a toujours voulu, ça a toujours été le désir, la volonté de Dieu de faire avancer son royaume, de l'étendre, de vraiment faire que ce royaume-là va prendre de l'ampleur dès le commencement. Alors qu'il a créé les cieux et la terre, et ensuite de ça, il a voulu placer l'homme sur la terre parce qu'il avait déjà son royaume à lui. Mais maintenant, il dit, je vais créer une planète, je vais faire un endroit qui est viable et tout cela. Et sur cet endroit-là, ben, je vais établir mon royaume, mais je vais l'établir au travers une créature que je vais faire à mon image. Et il a décidé de créer l'homme. Et il a placé Adam et Ève, et dès le commencement avec Adam et Ève, il a dit, assujettissez, multipliez, dominez. Donc, ce qui voulait dire que vous puissiez être ceux qui vont faire que mon royaume va s'étendre sur cette planète-là. C'est mon cœur que mon royaume puisse s'étendre sur cette planète. Comme vous le savez, il y a eu la chute, les choses ont mal tourné. Le péché est entré dans le monde en un moment de corruption tellement terme que tellement un terme où est-ce que Dieu a dit « Ok, là, il faut que je recommence, que je brasse les cartes et tout. » Et puis, il a, à ce moment-là, appelé un homme, une famille, Noé, avec sa famille pour sauver l'humanité et dire « Ok, on repart le compteur, on continue et puis on va de l'avant avec Noé et on va essayer de repartir les choses. » Alors que Dieu l'a fait à ce moment-là avec Noé, on est arrivé plusieurs années plus tard où est-ce que Dieu a passé une autre étape de son plan et il a eu Abraham à ce moment-là qui l'a parlé, qui a dit « Tu seras le père d'une multitude, tu seras le père d'une multitude, Abraham. » Et Dieu a voulu encore, au travers d'Abraham et de sa famille, continuer à étendre son royaume. À travers l'histoire continue, le peuple de Dieu devient le peuple d'Israël, devient par le fait même, par la descendance d'Abraham, Isaac et Jacob et les 12 tribus d'Israël qui sont là. Dieu veut maintenant étendre son royaume au travers un peuple. Il part de deux individus, il grandit, il veut travailler au travers de la famille, mais maintenant il veut travailler au travers de son peuple pour étendre son royaume. Connaissez un peu l'histoire d'Israël, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. La mission n'a pas toujours été bien réussie. On s'est retrouvé à un moment donné, ce que le royaume de Dieu a pris une grande ampleur sous David et Salomon, qu'on a parlé beaucoup dans les semaines passées. Et donc, on voyait à ce moment-là que Dieu voulait encore établir d'une certaine façon son royaume, démontrer que dans son cœur, il y a un but, il y a une vision pour établir le royaume de Dieu, le faire élargir, prendre de l'ampleur, to expansion, comme on dit en anglais. Et suite à cela, on a vu aussi qu'après l'histoire d'Israël, les choses se sont encore compliquées. Et Jésus-Christ est revenu. Jésus-Christ est venu et puis il est venu pour essayer de donner un autre tournure, non seulement pour essayer, il a réussi, mais il est venu pour donner un autre tournure, pour être capable d'apporter de plus en plus le royaume de Dieu. Mais si vous remarquez à tous les enseignements de Jésus, la plupart des choses, on parle du royaume. Le royaume s'est approché de vous, le royaume est semblable, le royaume est ci, le royaume est ça. Jésus venait vraiment parler du royaume. Et c'est ce royaume-là qui est appelé à grandir et à prendre place. Et encore aujourd'hui, Jésus, au travers son corps, au travers son Église, au travers sa famille. Avant, c'était la famille, une famille des individus, une famille pour une nation, mais maintenant, c'est une famille qui regroupe des nations avec Jésus-Christ lui-même qui est à la tête, qui est en train de vouloir faire avancer le royaume de Dieu. Et ça, c'est le plan et c'est le cœur de Dieu. Jean 1, versets 14 et 15. Il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Quand Jésus est arrivé, on voyait qu'il y avait ce plan-là pour le royaume de Dieu et Jésus vient, Jésus apparaît sur le portrait puis il dit, c'est le temps de vous repentir parce que le royaume de Dieu est proche. Le règne de Dieu devient de plus en plus proche. Il y a des milliers d'années avant que Jésus vienne et tout ça. Et maintenant, on arrive au temps de Jésus. Et dit là, le temps est proche. Le royaume de Dieu est en train de prendre une autre dimension. Et ce royaume-là était partagé, était vécu, il prenait place dans la vie des gens. Paul, plus tard, un peu, Paul parle qu'il a voulu, il dit, je voudrais que Christ, l'espérance de la gloire, soit formée en vous. Christ est l'espérance de la gloire. Et combien savent que quand on parle du royaume de Dieu, on parle du règne de Dieu? Ou est-ce que vraiment c'est Dieu qui règne pleinement? Que ce soit par rapport à l'éternité ou dans nos vies,
Le cœur de Dieu, c'est que son règne vienne dans nos vies, qu'il puisse régner, que ton règne vienne. Donc, c'est le cœur de Dieu. Et Jésus, c'est le royaume de Dieu manifesté. Jésus, c'est le royaume de Dieu manifesté. Et quand le royaume de Dieu est manifesté, les choses sont changées. Donc, quand tu commences à avoir Jésus dans ta vie, et comme Paul disait, que Christ soit formé en vous, Paul parlait de vraiment qu'il était prêt à souffrir même les douleurs de l'enfantement pour que Christ soit formé en vous. Ce que Paul est en train de dire, en d'autres mots, c'est que je voudrais que le règne de Dieu soit formé en vous par la place que Christ va prendre dans vos vies. Et lorsque Christ prend place dans vos vies, lorsqu'il vient à se former en vous, ou est-ce que oui, vous avez votre personnalité, mais au travers de votre personnalité, vous avez le règne de Dieu, le caractère de Dieu qui vient en vous, à ce moment-là, Christ commence à être formé en vous. C'est le règne de Dieu qui vient. C'est un peu, et ce rêve-là de Dieu, c'est comme si c'est un rêve qui prend naissance dans l'éternité, mais qui prend forme dans un corps. Le règne de Dieu et le cœur de Dieu à propos de son royaume, c'est un rêve qui était dans son cœur qui dit « Je veux que mon règne s'étende sur cette nouvelle planète que j'ai créée. Je voudrais que mon règne s'étende là et il va venir au travers des individus, il va venir au travers des personnes. Je vais venir en eux, je vais faire ma demeure en eux, je vais habiter en eux par mon Saint-Esprit et mon règne va venir de cette façon-là. » Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut qu'il puisse prendre place. Le royaume de Dieu, ce n'est pas comme quelque chose qui est exposé de façon extérieure et qui va aller vers l'intérieur, mais le règne de Dieu, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est quelque chose qui prend forme. Alors que l'on naît de nouveau, la Bible avec Nicodème, Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. On a besoin de naître de nouveau pour voir le royaume des cieux, que le royaume puisse prendre place dans nos vies, qui puisse prendre place dans nos vies. Et donc, le désir de Dieu, c'est que ce règne-là puisse prendre place de plus en plus en nous, que en nous, le règne de Dieu soit en train de se développer, mais non seulement qu'il se développe là, mais après ça, qu'il puisse de plus en plus se répandre autour de nous. Comme le Dieu avec chaque individu, chaque être humain, il dit, je veux mettre mon règne, je veux mettre la semence de mon règne en toi. Je veux que ça puisse se développer, je veux que ça puisse prendre de plus en plus de place et ensuite de ça, que ça puisse impacter les gens qui sont autour de vous et que ça puisse vraiment comme continuer de se développer, prendre place et jusque dans l'éternité. Dieu veut qu'on puisse lui faire confiance et partir à cette aventure-là où est-ce qu'on dit, Seigneur, oui, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans ma vie, que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, comme elle est écrite dans le ciel. Et vraiment, le Seigneur, c'est ce qu'il veut qu'on puisse lui faire confiance et partir à l'aventure avec. J'aimerais vous citer ce matin l'apôtre Spock ou encore le capitaine Kirk. Ceux qui ont écouté, vous ne connaissez pas. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Spock, capitaine Kirk, Star Trek, OK, quelques-uns le connaissent. J'aimerais les citer ce matin. Je ne me rappelle pas c'est lequel des deux qui l'a dit, mais quand j'ai vu le film et tout cela, il dit, il y a un de ceux qui a dit ça, et quand ils ont vu ça, j'ai dit, ah, ça c'est bon pour une prêche. Puis quand j'ai entendu, il dit, il n'y a rien d'inconnu, il n'y a que des choses qui attendent d'être découvertes. Il n'y a rien d'inconnu, il n'y a que des choses qui attendent d'être découvertes. Je dis, waouh, c'est fort ça. C'est comme si que, parce que nous, peut-être on ne connaît pas, mais ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas que ça n'existe pas. Mais quand on le découvre, c'est que cette chose-là était déjà en place. Donc, dans la connaissance de Dieu, dans la science de Dieu, puis dans les choses qui ont été placées d'âge en âge, de génération en génération, il y a simplement des choses qui sont là et qui attendent d'être découvertes. Dieu veut se révéler à nous, Dieu veut nous révéler des nouvelles choses, Dieu veut nous révéler des nouvelles choses sur nous et sur les autres et sur lui. Et on a simplement à continuer à lui faire confiance et qu'au fur et à mesure, il va nous montrer ces éléments-là. Marc chapitre 8, verset 22-23. Ils se rendirent à Bethsaïda et en amenant vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et finalement, cet homme-là était guéri, mais pas besoin d'aller au verset 24-25, c'est pas là que je vais mettre l'attention ce matin. J'aimerais juste qu'on puisse bien comprendre. Viens, Jean-Simon, viens en avant. Tu vas faire l'aveugle un matin. Et puis là, il y a quelques personnes,
Si je m'avance, on va retourner avec le texte au début, juste. Alors là, Tony, Marc, vous allez m'apporter un aveugle. Vous allez m'apporter Jean-Simon l'aveugle. Je veux vraiment que vous puissiez saisir un peu l'image ce matin. Jean-Simon, il doit avoir la foi. Hein? C'est pas drôle. C'est dangereux avec Tony. Mais... Alors, ils se rendirent à Bethsaida en amenant vers Jésus un aveugle qu'on l'a prié à toucher. On va dire que je suis Jésus un matin. Et puis, il apporte un aveugle qu'on l'a prié à toucher. Fait que là, demandez-moi. Tu veux que je fasse avec un aveugle? Touche-le. OK, touche-les. Alors là, après ça, la Bible a dit, il a conduit, on amena Jésus un aveugle qu'on l'a prié à toucher. Il prit l'aveugle par la main. Là, je le prends par la main. Vous autres, vous pouvez vous en aller. OK. Merci, gars. Et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux. Il lui imposa les mains et lui demanda, « Tu vois-tu quelque chose? » Non. Ouais, ben ouvre tes yeux, tu vas voir. Et au début, il voyait juste des ombres. Après ça, il a prié pour lui, il a vu complètement, « Tu peux t'asseoir. » J'ai fait semblant. Hein? Ouais. Ce que j'aime de cette histoire, c'est qu'on prend, il y a cet aveugle qui est là, et les gens la portent vers Jésus. Et Jésus le prend par la main et la porte hors du village. Et lorsque je regardais à ce texte-là, je trouvais ça comme tellement intéressant parce que lorsque Jésus le prit pour l'amener hors du village, il l'amenait hors de son confort. Vous comprenez que bien souvent, les aveugles, c'était pas évident. Là, tu ne portes pas n'importe où, n'importe comment et tout ça. Les services comme aujourd'hui, jusqu'à un certain point, c'est oui, on a adapté, c'est plus pratique. Mais à l'époque, il n'y avait rien de ces choses-là pratiques. Il n'y avait pas de canne encore pour les aveugles. Il y avait, effectivement, des fois, il y avait un manteau qui l'identifiait comme un aveugle qui devait porter. Puis il y en a un autre qui était guéri une fois, puis il a laissé son manteau-là, puis il est parti après Jésus pour être guéri. Mais dans ce moment-là, quand il sort de son village, c'est comme si il sort de sa zone connue. Il sort de son confort, il sort de sa routine pour pouvoir l'apporter à quelque part. Où est-ce qu'il va le guérir? Où est-ce qu'il va pouvoir lui communiquer quelque chose du royaume de Dieu qui va pouvoir le transformer? Parce que le royaume de Dieu, c'est la santé divine. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Donc, il l'a pris de la zone des ténèbres, de l'aveuglement et tout cela, pour le sortir de son village et l'apporter dans un endroit où il est capable de lui communiquer le royaume de Dieu pour pouvoir le guérir. Et ce texte-là, pour moi, me parle, c'est pas juste une question d'aveugle, mais c'est une question que bien souvent, pour que le Seigneur apporte le royaume de Dieu dans nos vies, il a besoin de nous sortir de notre village, il a besoin de nous sortir de nos habitudes, il a besoin de nous sortir de notre façon de penser, de notre façon de concevoir, de nous conduire par la main, avec laquelle, Seigneur, je te fais confiance, je ne sais pas ce que je m'en vais, je ne le vois pas, Seigneur, parce que je suis encore aveugle, mais Seigneur, je te suis, je te fais confiance, apporte-moi hors de mon village, apporte-moi où tu voudras, parce que je veux être guéri, je veux que le royaume de Dieu vienne se manifester dans ma vie. Vous pouvez dire « Amen » n'importe quand. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose. Et pour plusieurs d'entre nous, c'est vraiment qu'est-ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Il veut nous sortir de notre village, veut nous sortir de notre endroit pour apporter le royaume de Dieu dans notre vie. Mais malheureusement, plusieurs, peut-être plusieurs, mais certains auraient de la difficulté à vouloir sortir de ce village-là, pouvoir aller plus loin, changer les habitudes, changer les façons de faire, changer les façons de penser et faire confiance que Dieu va apporter son règne dans nos vies. Dieu l'a fait avec nous. Plusieurs années, plusieurs connaissent mon histoire. On était au Saguenay, dans une région qui était française et tout cela. Et puis blanche. Et puis Dieu nous a appelés pour sortir de notre village, de notre ville, pour nous apporter à San Francisco, dans une autre culture spirituelle d'église, dans une autre culture linguistique, dans une autre culture au niveau de nationalité. Et on a décidé de le suivre. On était fous, on ne savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. Heureusement, parce que je ne suis pas sûr que nos parents nous auraient laissé partir. Mais on est partis. Et aujourd'hui, je peux vous dire que si nous ne serions pas partis, le royaume de Dieu n'aurait pas pu s'établir dans nos vies comme il s'est établi au travers de cela.
Ça peut avoir l'air cruel, quelquefois ça peut avoir l'air dur, ça peut peut-être sembler exigeant. Mais si on veut vraiment que le Seigneur puisse transformer nos vies, il faut être prêt à lui faire confiance et dire, « Seigneur, je te donne la main. Seigneur, je te fais confiance. Je pars à l'aventure. Il va y avoir des nouvelles découvertes. Il va y avoir des nouvelles affaires qui vont prendre place. Conduis-moi, Seigneur, parce que je veux. C'est le royaume de Dieu dans ma vie. Si quelqu'un veut le royaume de Dieu dans sa vie, dites Amen ce matin. » Si vous mangez et vous mangez et vous mangez et vous mangez, et après avoir mangé, vous mangez encore, bien, puis que vous ne bougez pas, que vous restez en place, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez faire partie d'une émission de télé où est-ce qu'on va dire cette personne-là a éclaté. Donc, et elle était malade, et après lui qu'on prenne un lift, un camion, tout le kit pour le sortir de sa maison, qu'on arrache les murs et tout ça parce qu'elle ne pouvait pas sortir par les portes. Et c'est des choses qui sont malheureusement arrivées. Pourquoi? Parce que a mangé beaucoup, mais elle n'était pas en mouvement. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on change sa diète, mais aussi il faut qu'on commence tranquillement à faire de l'exercice. Puis au début, l'exercice, tu peux arriver tellement loin que ça peut être juste lever la jambe un peu comme ça durant des mois avant d'être capable de bouger les deux. Mais pour arriver à un point où le mouvement va commencer à apporter ta guérison, parce que si tu ne bouges pas, bien, tu vas te ramasser malade, il y a des maladies que tu vas développer, etc., etc. Et dans le physique comme dans le naturel, c'est le même principe. Si vous ne bougez pas spirituellement, si vous n'êtes pas en mouvement alors que Jésus vous conduit de plus en plus pour avancer, vous allez vous retrouver un jour ou l'autre mort spirituellement, malade spirituellement, non fonctionnel spirituellement, pas aussi en santé comme vous devriez l'être spirituellement. Pourquoi? Parce que vous êtes en manque de mouvement. Vous assimilez, vous mangez de la nourriture spirituelle, vous entendez les prêches, vous entendez les choses et tout cela, mais il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui est fait. Vous êtes en danger de vous ankyloser et de vous retrouver vraiment dans une mauvaise posture spirituelle. On a besoin de bouger alors que le Seigneur nous fait avancer. Des fois, ça peut être aussi simple que de pardonner quand il demande de pardonner, de donner quand il demande de donner, etc., etc., de servir pour le Seigneur de différentes façons, d'être en mouvement. Et pas n'importe quel mouvement. On n'est pas appelé à être des hamsters qui font simplement, ils sont en mouvement, mais tout ce qu'ils font, c'est tourner en rond. On n'est pas des hamsters, on est des êtres humains. Dieu veut qu'on soit en mouvement, mais dans un mouvement où le Saint-Esprit nous conduit, où le Saint-Esprit continue de nous amener plus loin, plus loin. J'aimerais vous dire ce matin, et ça, j'ai encore entendu ça dernièrement dans un autre endroit, mais j'aimerais vous dire ce matin, faites attention à ne pas être la personne qui vous dit le non le plus souvent. Je vais répéter, faites attention à ne pas être la personne qui vous dit non le plus souvent. Ça vous est déjà arrivé, peut-être, quelques-uns, d'arriver et de dire, « Ah non, je ne ferai pas ça. Tu veux faire ça? Ben? Ah non, je ne ferai pas ça. » « Ah non, je ne serais pas capable. Ah non, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ah non, les autres vont penser que je suis orgueilleux. Ah non! Ah non, il ne m'acceptera pas. Ah non, il ne me voudra pas. Ah, je voudrais aller donner mon nom au pasteur, mais c'est sûr qu'il ne m'acceptera pas. Ah, je voudrais faire ça. Non! Je voudrais étudier dans telle autre chose. Ah non, je ne serais pas capable. Ah, ça va être trop dur. L'économie n'est pas bonne, ce n'est pas un temps pour faire telle affaire. Non, non, je ne le ferai pas. » Et bien souvent, c'est toi qui se retrouves être la personne qui se dit le plus souvent non. Qui se dit le plus souvent non. Il faut que tu apprennes à te dire oui aussi et à te faire confiance et à avancer. Parce que si tu ne fais pas cela, bien souvent, c'est ton nom qui va t'empêcher d'être en mouvement. C'est ton nom qui va t'empêcher d'avancer. C'est ton nom qui va t'empêcher de progresser et d'aller plus loin avec Dieu, de lui permettre de t'apporter vers des nouvelles découvertes. Dieu est notre récompense ultime. Il plante ou il s'attend à un grand retour. Il trouve des gens en qui d'autres n'auraient pas mis leur confiance et il leur donne ce qu'il y a de mieux. Quand il prend de son meilleur et nous le donne, il sait que nous sommes plus que capables de gérer cela et le planter dans la vie des autres. Je vais répéter une autre fois, puis après je vais élaborer parce que c'est trop important. Dieu plante ou il s'attend à un grand retour. Il plante ou s'attend à un grand retour. Il trouve des gens qui d'autres n'auraient pas mis leur confiance et il leur donne ce qu'il y a de mieux. Quand il prend de son meilleur et nous le donne, il sait que nous sommes plus que capables de gérer cela et de le planter dans la vie des autres.
le planter dans la vie des autres. Dieu veut vraiment nous confier des choses spéciales. Dieu a vraiment comme confiance en nous et il veut planter, il plante de ce qu'il y a. Écoutez, le royaume de Dieu, comme Jésus le prêchait, c'était un trésor, c'était une richesse incroyable. Ça parle dans certaines paraboles que par rapport au royaume de Dieu, c'est comme la femme qui a perdu une perle précieuse, une perle de grande valeur, puis que là, commence à fouiller partout dans sa maison et son balai pour essayer de la trouver parce que cette perle est précieuse. Il dit, ainsi en est-il du royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est la plus grande valeur qui n'existe pas à part dans la personne de Dieu. Et donc, ce que Dieu fait, c'est qu'il va investir, il va planter des choses du royaume de Dieu en nous, quelque chose d'une grande valeur, et il nous fait confiance avec cela. Et Dieu n'est pas fou, il sait dans qui il plante, et il prend la chance, et il croit qu'il est capable d'investir ça, de le placer dans la vie des personnes. Est-ce que vous planteriez quelque chose est-ce que vous planteriez une graine dans le sable? Non. Pourquoi? Parce que vous sauriez que si vous plantez cette graine-là dans le sable, elle n'apportera pas de fruits, elle grandira pas parce que vous ne l'avez pas mis dans la bonne place, ni encore moins dans le ciment. Vous allez essayer de trouver une bonne terre, vous allez dire, je vais le planter là-dedans, je sais que ça va pousser. Mais la semence du royaume de Dieu par le Saint-Esprit qui était placée dans nos vies, le Seigneur l'a placée en nous. Le Seigneur l'a placée en nous. Et il sait qu'il y a un potentiel de faire grandir cette semence-là dans nos vies. Voyez-vous, une grande différence, la religion nous fait croire que nous ne sommes pas capables, qu'on n'est pas à hauteur, puis qu'on n'est pas digne de confiance et tout ça, puis qu'on est tout croche, on est des incapables, incompétents. Et la religion nous amène à cet état-là, ce qu'on pense que Dieu va tout faire et tout ça, puis que nous, on n'a rien à faire. Mais le royaume de Dieu, le cœur de Dieu, ce n'est pas ça. Lui, c'est le contraire, c'est que de nous faire croire que j'ai confiance en eux. J'ai confiance en eux. Je sais que je peux mettre ma semence en eux et qu'ils vont faire grandir cela, vont le faire se développer et que les choses vont arriver à porter du fruit. Ça, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, on doit avoir cette confiance-là. Imaginez, on est une gang de chrétiens qui sont simplement assis dans une église, qui pensent qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne sont pas à hauteur, qu'ils ne pourront pas arriver à rien. Ils ne feront rien parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas capables. Mais s'ils commencent à croire vraiment que les rêves de Dieu, le cœur de Dieu, le royaume de Dieu, le Seigneur est capable de me faire confiance, est capable de le mettre en moi et que ça va produire du fruit, que Dieu croit en nous. Alors si Dieu croit en nous, c'est peut-être temps que l'Église commence elle-même à croire en elle-même, que les individus commencent à croire en eux et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, ils sont capables d'accomplir des exploits dans le royaume de Dieu. Dis-là à ton voisin, prends le temps, convainc ton voisin, dis ce matin à ton voisin, dis Dieu croit en toi. Luc 13, verset 20-21 dit ceci. Il dit encore, à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Marc 4, 26 32. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsque l'on sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Dans ces paraboles-là, on parle premièrement de celle-là que je vous ai lue, la première, où est-ce que le royaume de Dieu est un peu comme du levain qu'une femme a pris, puis elle a mis dans des mesures de farine, et puis après ça, ça vient, ça prend pas, et ça apporte vraiment un développement à cause du royaume des cieux. Fait que Dieu veut placer cette semence-là et faire que son royaume va pouvoir prendre place et se former et se développer et devenir ce qu'il veut qu'il puisse devenir. Et dans la deuxième parabole que j'ai lue, que j'aime vraiment, surtout quand il parle qu'au début, lorsqu'on a sémantaire, il est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre.
Mais lorsqu'il l'a semé, le monde devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sur son ombre. Ça, c'est la dernière partie, mais dans la première partie, il dit, il est en aide du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc, cette image que Dieu nous donne à propos du royaume des cieux, c'est qu'il dit, il y a un royaume qui est en train de se développer. Nuit et jour, peu importe que tu le vois, peu importe si tu ne sais pas comment que ça se fait exactement, le royaume est en train de se développer. Le royaume est en train de se développer. Et dans notre intellect humain, des fois, on regarde à l'histoire, on regarde au nombre d'églises, on regarde au nombre de chrétiens, tout cela, puis des fois, on a tendance à avoir un regard négligeable, un regard où est-ce qu'on n'est pas si impressionné que ça par rapport à l'ampleur du royaume des cieux. Et ça, c'est notre intellect de ce qu'on voit. Mais ce que Jésus dit dans cette parabole-là, il dit, il dit, regarde, même si vous n'en rendez pas compte, ça grandit. C'est en train de s'établir, puis éventuellement, on va arriver à un temps, plus il va monter, puis il va devenir plus grand que tous les légumes, il va pousser des grandes branches, en sorte que même les oiseaux du ciel peuvent venir habiter son nom. Il est en train de dire, c'est que le royaume de Dieu, même si vous n'en êtes pas toujours conscient, même si vous ne voyez pas tout ce qui est en train de prendre place et de se développer, il y a vraiment un royaume qui est en train de prendre place, et ce royaume-là va venir tellement grand qu'il va dépasser les autres choses, et les oiseaux du ciel vont venir dans leurs branches, et il y a quelque chose qui fait que le royaume va devenir central. Et par rapport à l'éternité, que ce royaume-là va devenir plus grand que tous les royaumes, et que les regards des gens vont se tourner vers ce royaume-là. Et c'est ce que Dieu nous appelle à entrer en possession et de croire. On fait partie d'un royaume éternel et glorieux. Daniel, chapitre 2, 44, prophète Daniel, dit ceci, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux, en parlant vers la fin des temps, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il y a des changements de royaume, il y a des changements de président, il y a des changements de premier ministre, il y a des changements de maire. Mais un jour, il dit, un royaume qui va venir, qui ne sera jamais détruit, il ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Alléluia. Ça, c'est le royaume qui est en train de se bâtir, le royaume qui est en train de se construire, le royaume qui est en expansion, en train de prendre place à partir de nos vies personnelles et des gens qui sont alentour de nous. Donc, tant que Jésus ne reviendra pas, nous avons la responsabilité de faire avancer ce royaume-là, de prêcher ce royaume-là, de le faire connaître et de vivre selon ses valeurs et à travailler à l'établir sur la terre comme au ciel, dans nos vies et dans les villes. Dans lequel le Seigneur nous a placés. Un jour, ce royaume-là, qu'on n'est pas tout conscient de tout ce qui est en train de prendre place, de qu'est-ce qui va devenir. Aujourd'hui, on est appelé à continuer à le faire avancer dans nos vies et dans la vie des gens qui nous entourent. Le royaume de Dieu est un royaume d'expansion qui, par sa nature, est appelé à expansionner. On parle, Dieu, même dans sa nature, ceux qui étudient au niveau de la science et toutes ces choses-là parlent même que l'univers et les choses qui sont là continuent d'être en expansion constante. Il y a quelque chose qui est vraiment en mouvement. Il y a un mouvement qui a été lancé par Dieu, mais ce mouvement-là ne cesse jamais. Mais nous, on est appelés à rentrer dans ce mouvement-là et à opérer avec Dieu et à vivre selon les valeurs du royaume et faire connaître ce royaume-là. Et dans ce mouvement-là, c'est pourquoi qu'on a pris la décision. C'est pourquoi qu'on a pris la décision d'y aller avec deux réunions. Comme vous l'avez vu la semaine passée, on avait 227 personnes qui étaient à l'Assemblée, qui étaient à l'Église. Et j'ai calculé rapidement, pas loin de 30-40 personnes de notre Église que je connais de visage, qui tout ça, qui n'étaient pas là. L'Église était remplie à pleine capacité, tout ça. Et Dieu veut qu'on puisse continuer à toucher les gens. Et c'est pour ça qu'on a commencé à faire deux réunions pour être capable de toucher non seulement les francophones, mais également aussi les anglophones dans la deuxième réunion qui va être bilingue. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est encore appelé à avancer. Le royaume de Dieu est encore appelé à aller plus loin. Et d'avoir deux réunions ici à Source de vie, ce n'est pas une fin, ce n'est qu'une étape vers un autre endroit. Parce que quand on va avoir réussi cela, on va aller vers un autre endroit, on va aller encore plus loin. Aussi longtemps que Jésus n'est pas revenu, on va aller plus loin. C'était la thématique de l'année, on va plus loin. Vas-tu te fatiguer? Non, je ne me fatiguerai jamais, je vais aller plus loin. Même si j'y vais avec mes souliers percés, je vais aller plus loin.
On va aller plus loin. Pourquoi? Juste pour avoir une grande église, pour avoir un grand nombre? Non, pour avoir le plus possible d'âmes qui viennent à la connaissance du Seigneur, pour sortir des gens de la souffrance, pour les apporter dans le royaume de Dieu, les sortir du royaume des ténèbres et les apporter dans le royaume de Dieu. Et quand je priais cette semaine, on n'avait même pas encore commencé les deux réunions, mais déjà j'étais en train de prier que le Seigneur remplisse les deux réunions. Le Seigneur, je ne vais même pas passer un an, deux ans sans que les deux réunions soient remplies de gens qui vont apprendre à te connaître, qui vont découvrir combien tu es bon, combien tu es grand. Seigneur, viens, et c'est notre défi, et c'est notre responsabilité commune avec le leadership, avec les chrétiens, de dire non, Seigneur, on veut te faire connaître, et un va parler de Jésus, un va témoigner, un va apporter l'autre à l'église, peu importe et tout cela, mais simplement de dire qu'ensemble, on va aller encore chercher des âmes. Seigneur, on t'a fait de la place. On t'a fait de la place pour que tu puisses amener des âmes dans ta maison. On a eu 6 baptêmes la semaine passée. J'ai déjà 3 ou 4 personnes potentielles pour un baptême. Et puis, je vais faire probablement le prochain vers le mois de janvier. J'ai déjà 3 ou 4 personnes potentielles pour le baptême. On n'est même pas rendu au mois de janvier. Et on veut continuer à multiplier et avoir les gens qui donnent leur vie au Seigneur. Les gens qui se convertissent, c'est les gens qui disent, je veux connaître Jésus. Parce qu'on veut que le royaume soit en expansion. Qu'on franchisse des nouvelles dimensions pour le Seigneur. Franchir des nouvelles dimensions, être capable d'aider encore plus les gens, être capable de donner encore plus de nourriture aux gens. Probablement qu'en début janvier, vers la fin janvier, début février, on va recommencer à faire un bazar comme on faisait à l'époque pour aider les gens avec les vêtements, les choses vestimentaires, puis les toucher, puis utiliser cela pour partager l'amour de Dieu, toucher le cœur des gens. Plein de projets, plein de choses qu'on veut voir pour le Seigneur. Il faut rêver d'établir ce royaume-là. Pour rêver d'établir ce royaume-là et dire, on va continuer à avancer, on va aller plus loin ensemble. Je rêve d'avoir une expansion où est-ce qu'un jour, et j'espère que les jeunes vont dire amen, un jour où on va avoir un centre jeunesse, où il y a des jeunes qui vont venir là, vont pouvoir être touchés, vont pouvoir être transformés, non seulement pouvoir jouer, mais prier et être délivrés et découvrir une nouvelle vie en Jésus. Avoir assez de fonds, quand je parlais dans les semaines passées, de fonds, de financement, d'être une église qui crée la richesse et qui crée les finances, pour qu'on puisse arriver un jour que voici, ça c'est le local qu'on achète, il y a des tables de poule en bas, il y a des jeux sur les murs et tout cela, il y a des endroits pour des concerts, des endroits pour la prière, et les jeunes viennent là qu'au lieu de courir les rues, aller dans toutes sortes de centres où ils n'ont pas toujours la solution, ils essaient de faire un bon travail, mais ils n'ont pas toute la solution pour eux. Dire, nous on va avoir un local, on va avoir un endroit, on va être capable de le payer, on va être capable de l'avoir, on va être capable de transformer la vie des jeunes, des centaines et des milliers de jeunes vont venir à la connaissance du Seigneur, leur vie va être transformée parce qu'on a rêvé d'établir le royaume de Dieu, de créer un centre pour cela. Une autre affaire que je veux vraiment qu'on puisse créer dans les années à venir, je suis tanné qu'en tant qu'église, on est obligé d'aller se louer un local à Tombouctou pour être capable d'avoir une retraite, d'avoir une conférence, de faire quelque chose. Pourquoi pas rêver puis d'avoir nous-mêmes notre local qu'on va avoir, un endroit peut-être avec entre 20 et 30 personnes qu'on peut accueillir là-bas pour des retraites, que ce soit pour les comités d'église, que ce soit pour le leadership de l'église, que ce soit pour la jeunesse, les autres. On a 30 places qui sont là, ça nous appartient, c'est notre centre, c'est à nous autres, le Seigneur a pourvu, le Seigneur nous a donné, on va arrêter de louer, nous autres on va louer, nous autres on va faire que les gens vont venir et ce ne sera pas comme à 15 000 et tout ça dans un environnement qui n'est pas trop difficile à se rendre, qui est quand même assez simple au niveau du temps, au niveau financier, de dire on va avoir notre centre. Et on va aller là, on va pouvoir faire des fins de semaine de délivrance, des fins de semaine de guérison émotionnelle, des fins de semaine pour rechercher la face de Dieu, d'établir le royaume sur la terre. Il y a des gens de Montréal, il y a des gens de la francophonie, des gens d'autres places qui vont venir, ils vont prendre l'avion, ils vont prendre leur voiture, ils vont s'en venir dans la région parce qu'ils vont savoir que quand on va au centre de retraite, source de vie, il y a quelque chose qui se passe, il y a des vies qui sont transformées. Dieu encore dernièrement donnait une parole prophétique. La personne ne connaît absolument rien de nous et ne connaît rien de moi. La première fois qu'elle me voyait de sa vie, et confirmait justement ces choses-là, qu'elle voyait qu'il y a,
Il y a des hommes d'affaires qui sont là, tu vas être avec des hommes d'affaires. Il y a des hommes d'affaires qui sont que tu vas bénir. Et ces hommes d'affaires-là que tu vas bénir vont avoir une confiance en toi. Ils vont te suivre. Puis à cause de toute la prospérité qui va venir alentour de ça, tu vas avoir l'argent, va être là pour les projets que tu as, pour les rêves que tu as. C'est une prophétie que j'ai reçue à peine, il y a 2 semaines. Je rêve pas, puis je parle pas dans le vide. C'est qu'il y a quelque chose que le Seigneur confirme. Et on voit des éléments qui se mettent en place. Je sais qu'il y a des hommes d'affaires même qui sont dans l'Église déjà présentement avec un cœur, avec une intégrité, avec l'amour de Dieu qui est dans leur cœur. Avec une sagesse que le Seigneur est en train de donner selon Salomon et que toute cette structure-là est en train de se mettre en place. Et le Seigneur, il va vouloir, au niveau prophétique, je pense qu'on est une des églises qui est le plus sensible au prophétique à travers la province de Québec, où est-ce que marche dans le surnaturel, marche dans la gloire de Dieu. Les finances prennent place, la musique. On est à peu près 160 adultes à peu près dans l'église, je dirais, et environ 35 personnes font partie de nos différentes équipes de musique. C'est presque un quart des adultes qui sont là. On a une musique, on a un son, il y a quelque chose que le Seigneur fait. On a une équipe apostolique, un leadership qui est là depuis des années. Il y a quelque chose qui est en train de prendre place. Je ne sais pas si vous le saisissez avec moi, mais il y a quelque chose qui prend place. Et on ne va pas arrêter. On va continuer à être en mouvement. On va continuer à être en mouvement personnel et individuel. On va continuer à être en mouvement collectif et dire, Seigneur Jésus, on ne sait pas toujours, ça fait 2 jours que, je dirais 2 jours, c'est des mois, mais particulièrement depuis 2 jours que je me prépare puis que je suis Jésus pour le main pour me venir à ma première double réunion du dimanche matin, que je ne sais pas si je vais venir, qu'il va y avoir 3 personnes dans la première puis 10 dans la deuxième. Mais dis, Seigneur, tu dis que tu veux nous apporter dans le royaume des cieux. J'ai senti dans mon cœur qu'on doit continuer d'avancer, je dois continuer de te suivre. Seigneur, on est là et on continue. Et on avance là parce qu'on veut voir le royaume des cieux. On veut voir la gloire de Dieu qui vient de plus en plus sur nous, sur l'Église de Dieu. Et ça, c'est une partie de ma chair qui était là. Et vous savez, quand on a des défis, des marches par la foi, des choses que l'on veut faire pour le Seigneur, bien, le doute peut venir. Le doute vient nous frapper. L'ennemi vient pour nous décourager et tout cela, puis il vient pour nous montrer des choses. Mais on avance. Et on doit continuer à dire, non, ça c'est ça, mais en même temps, Seigneur, j'ai dit non. Il y avait une partie de moi, ce que l'ennemi venait pour essayer de me harceler avec ces choses-là, puis lancer, c'est être enflammé. Mais je dis, on ne peut pas manquer. On ne peut pas manquer parce que Dieu est fidèle dans ses promesses. On ne peut pas manquer parce que Dieu l'a tellement promis, puis Dieu est avec nous, puis on connaît nos cœurs, puis on sait que nos cœurs sont alignés sur les principes. On n'est pas parfait. Mais on sait que nos cœurs sont alignés sur les principes, sur les valeurs du royaume des cieux. Et à cause de tout ça, on ne peut pas manquer. Après ça, je me disais, on ne peut pas manquer non plus parce que je regarde au nombre de personnes de qualité qui sont dans cette église-là. Des gens extraordinaires, les gens avec de l'amour, les gens avec des dons, les gens avec un potentiel extraordinaire, épouvantablement écœurant, dans le sens positif. Et je dis, on ne peut pas manquer. On ne peut pas manquer parce que Dieu a décidé de déposer des choses dans la vie de ces personnes-là parce qu'eux autres lui faisaient confiance, parce que Dieu leur faisait confiance. Et qu'ensemble, on va avancer. Et qu'ensemble, on va dire oui, on va faire que le royaume de Dieu va avancer. On va faire que le royaume de Dieu va avancer. Notre défi, premier, on a un défi collectif, mais on a un défi individuel. Notre défi individuel est de dire, Seigneur, viens établir de plus en plus ton royaume dans ma vie. Viens de plus en plus établir ton règne dans ma vie. Révèle-toi à moi par ta parole. Révèle-toi à moi dans la prière. Révèle-toi à moi au travers des circonstances. Révèle-toi à moi au travers mes frères et mes sœurs dans la foi. Seigneur, révèle-toi. Et je vais appliquer tes principes. Et il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Il y a quelque chose qui va changer dans ma vie. Viens établir ton règne davantage dans ma vie. Et alors qu'on le fait, et comme plusieurs même le font, 26 personnes, comme je le disais, qui s'étaient inscrits dans le cours qu'on donne le mercredi soir, semaine après semaine, 26 personnes qui continuent à se faire former par le Seigneur et tout ça, qu'on voit la soif qui est là. Seigneur, il y a des gens qui veulent, qui disent, OK, mon règne, le règne de Dieu, je veux qu'il soit plus dans eux. Et ce n'est pas juste une parenthèse, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas le mercredi que vous ne voulez pas. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Parce que chacun peut grandir d'une façon différente. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'individus, il y a plein de gens qui ont à cœur que le règne de Dieu puisse s'établir dans leur vie. Et si plusieurs personnes décident que le règne de Dieu s'établisse dans leur vie et tu les connectes ensemble, my goodness, gracious, c'est incroyable. Le potentiel, c'est incroyable. Qu'est-ce qui peut être transporté? C'est incroyable. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut prendre place?
Et dans notre objectif collectif, c'est d'être conscient que, Seigneur, oui, c'est bon pour ma vie, mais en même temps, ensemble, on veut continuer à bâtir. On veut continuer d'apporter de plus en plus le royaume de Dieu présent dans notre ville, présent dans notre société. Et on veut s'engager pour ça. Donc, dans quelques années, notre prochain défi, notre prochain challenge sera, Seigneur, trouve-nous un endroit plus grand dans lequel on va pouvoir accueillir encore plus les gens, dans lequel on va être capable d'accomplir encore plus la mission que tu nous as donnée. Seigneur, conduis-nous, apporte-nous, et là je vais faire plaisir à Mathieu, apporte-nous dans un endroit où est-ce qu'on va pouvoir avoir un vrai drum pour les drummers, et puis une nouvelle console extrêmement digitale, qualité high-tech pour Gabriel et son équipe au niveau du son, et pour que les filles soient là, que les filles soient dans le ministère de danse, qu'ils puissent avoir un stage qui soit assez grand, qu'ils puissent venir et puis danser prophétiquement devant le Seigneur. Et après ça, pour les filles, ou les hommes aussi, parce que les hommes peuvent être artistiques, qui sont capables d'arriver et de peindre prophétiquement et d'apporter la gloire de Dieu de cette façon-là. Et c'est assez spécial parce qu'Annick, elle l'avait rapporté chez eux. Et ce matin, on prend la Sainte-Seine, je parle de quoi? De l'Alliance. Je parle de l'Alliance. Et Annick apporte la peinture ce matin sur l'arc-en-ciel qui parle de l'Alliance de Dieu avec les hommes. Et d'être capable de bâtir ça, d'être capable de construire ces choses-là. C'est un travail qui demande une certaine énergie, demande un certain planning. Hier, je jonglais déjà dans ma tête. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quand est-ce que je vais manger? Si je mange à telle heure, ça va faire ci, ça va faire ça. Non, ça ne marche pas. Ben oui, Bruno. OK, puis les enfants, puis ci, puis ça. Ça demande un exercice, ça demande des sacrifices. Mais je me rappelle toujours qu'il y a un jour qu'il y avait un Jésus qui était dans sa gloire, qui était dans son confort, puis qui a décidé de quitter son confort, qui a décidé de quitter son trône de gloire, de venir sur la terre, de se faire ridiculiser, de se faire rejeter, de se faire fouetter, de souffrir même la séparation pour un temps avec le Père, de passer au travers toute cette souffrance-là pour le royaume de Dieu, parce qu'il y avait à cœur le bien de l'humanité, et il y avait de l'amour pour les gens. Et à ce moment-là, regarde, je vais manger de la soupe au pois, s'il faut que je mange de la soupe au pois, mais je ne me plaindrai pas, je vais me lever, je vais faire mes choses, je vais m'engager, je vais essayer d'avoir une sagesse au travers de tout ça, mais je vais continuer à payer le prix, parce que le royaume de Dieu est encore appelé à avancer, est encore appelé à s'établir. Et si vous le croyez, si vous voulez le faire ce matin, levons-nous ensemble, qu'on puisse terminer avec un mot de prière. Alléluia. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Je vais vous donner une minute ou deux. Soyez avec quelques minutes, deux, trois minutes. Mettez-vous avec une ou deux personnes et priez que le royaume de Dieu s'établisse dans la vie de votre frère et votre sœur. Hallelujah. Prenez un temps, passez peut-être deux, trois, quatre personnes ensemble. Mettez-vous ensemble et priez l'un pour l'autre ce matin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Père éternel, ce matin, Seigneur Dieu, qu'on est dans ta présence, Père. Prie vraiment, Seigneur, que ton règne puisse continuer de s'établir dans nos vies, Seigneur. Qu'à l'intérieur de notre être, à l'intérieur de nous-mêmes, Seigneur, que le royaume puisse continuer d'être en expansion, Seigneur. Que Christ puisse être continuellement de plus en plus formé en nous. Que nous puissions être transformés de gloire en gloire à ton image, Seigneur. Afin de ne plus être les mêmes, Seigneur. Nous voulons aller de gloire en gloire. Aller plus haut avec toi, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur. Seigneur, qu'au travers ton peuple, au travers tes enfants, Seigneur, que là où nous allons, Seigneur Jésus, que même quand les gens, Seigneur Dieu, viennent en contact avec nous, qu'ils sentent que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Parce que le royaume est en nous. Le royaume est en nous. Nous voulons que ce royaume soit relâché dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos milieux de travail, à l'école. Le royaume soit relâché. Le royaume soit manifesté. Que cette église, que ce lieu soit un lieu où le royaume de Dieu prend de plus en plus de place. Jour après jour, semaine après semaine. Seigneur, cette ville a besoin de voir la manifestation du royaume de Dieu. Et nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, surprends-nous, manifeste-toi. Enseigne-nous, conduis-nous. Inonde-nous. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Le ciel ouvert et un royaume qui s'établit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.